monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Voilà, donc nous sommes le samedi 19 décembre. Et donc, on va ouvrir le lot 19. Voilà. Donc, je sais que ce calendrier de l'Avent vous plaît beaucoup. Je voudrais juste, avant d'ouvrir le 19, faire une petite mise au point. Voilà. J'ai vu donc un commentaire, hein, c'est pas la majorité, au contraire, vous êtes très très gentils. Mais j'ai vu quelqu'un qui m'a laissé un commentaire comme quoi que voilà, mon calendrier de l'Avent était très attendu de sa part, mais qu'au final, le fait qu'il y ait des accessoires comme des stylets, ça n'avait aucun intérêt. Je voudrais juste préciser que ce calendrier de l'Avent, je l'ai fait moi-même. J'ai commandé les choses moi-même. Et sincèrement, commander 24 produits à 50 euros, ce n'était pas faisable. Donc voilà pourquoi, un jour sur deux, il y a un petit accessoire, un petit truc voilà, beaucoup moins cher que les autres, parce que je ne pouvais pas acheter des trucs à 50 euros par jour. C'était pas possible. Donc je suis désolée si ça a déçu certaines personnes, mais j'ai envie de vous dire, je m'en fiche un peu. Parce que je sais que vous êtes une grande majorité à bien aimer. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce genre de calendrier. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mise au point. Et que bah, les gens, si ça ne leur plaise pas, bah, écoutez, qu'ils ne regardent plus mes vidéos. Et puis voilà, comme ça, il n'y aura plus de soucis. Voilà, donc désolée pour tous ceux qui, voilà, qui sont toujours très gentils et très généreux de leurs mots et de leurs commentaires. Mais ça commence à me gaver d'avoir, genre j'en ai pas beaucoup, mais d'avoir quelques petits commentaires comme ça désagréables. C'est pas du tout constructif c'est méchant et ça ne sert à rien. Donc franchement, si vous n'aimez pas mes vidéos, si vous n'aimez pas ce que je dis, si vous n'aimez pas ce que je fais, et bah allez-vous-en, voilà. Ça sert à rien que vous soyez là, à part pour faire chier le monde, je ne vois pas d'intérêt. Voilà, donc je préfère être claire et le dire. Moi je suis là pour partager une passion, pour discuter avec des personnes passionnées comme moi et pour apporter du bonheur et du plaisir aux gens et de la découverte. Donc c'est pas ce genre de personne qui me démontera mon moral et voilà, et je veux continuer à faire plaisir aux gens qui le méritent. Voilà, donc sur ce, nous sommes le 19, donc je vais chercher le numéro 19. Bah, il est juste là. Voilà, donc le numéro 19. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'était. C'est une toile avec un toolkit. Donc, c'est une toile de chez Home Fun. Ah oui, je vois. D'accord. Ok, alors c'est une petite toile. Je vais décaler ma bannette. Donc, j'ai les diamants. Et donc, c'est une petite toile qui fait 20 par 30. Donc, c'est une toute petite toile. Alors, elle est un peu pliée. J'espère qu'elle n'a pas pris cher à rester comme ça. Bah depuis le mois de septembre, oulala, si je pense que j'ai dû créer des rivières sans faire exprès. Alors, je vais vous montrer tout de suite cette petite toile. Oh oui, j'ai créé des rivières, mais alors ça, c'est de ma faute. Hein. Elles sont arrivées enroulées et vu que j'ai dispatché les lots par jour, du coup, ça, c'est entièrement de ma faute. Voilà ce que ça donne. Alors du coup, je suis désolée, elle est un peu pliée. Hein. Voilà. Donc c'est un petit chat. Un petit chat avec un nœud. Donc je vais vous montrer... hop. Voilà, je vous montre la toile. Je vais vous montrer l'image parce que là, c'est pas très parlant. Vu que c'est plié, on ne voit pas très bien. Mais voilà, c'est une... Maintenant, je m'en rappelle. C'est une toile que j'ai commandée sur le site Diapai. Donc, j'avais été intriguée par leur site parce qu'ils ressemblaient énormément à Home Fun Official Store. Mais vu que je suis un peu fâchée avec Home Fun, j'avais décidé de tester donc, ce Diapai pour voir si c'était pareil. Et oui, hein, ça arrive dans des boîtes Home Fun. Les toiles, ce sont du Home Fun. Vous allez voir, les diamants, ce sont des Home Fun. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est une de leurs filiales. Et voilà, j'avais voulu tester pour voir si c'était bien ça. Et c'est le cas. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Bon, là, c'est de ma faute hein, si la toile est abîmée. Mais j'ai pas eu de soucis avec leur toile. On va regarder s'il y a le nombre de diamants exact. Et s'il y a un souci, eh bien, je pourrai voir leur service client. Donc là, au niveau du kit, c'est exactement le même que chez Home Fun. Hein.
Voilà, les sachets, la barquette blanche, la colle, le stylet et la pince qui ne pince pas. Voilà, donc, alors, cette petite image 20 par 30. Je vous la montre tout de suite. Hop, donc, je l'ai prise en carré, hein, bien évidemment, et il y a 25 couleurs. Voilà, donc vous voyez la feuille de route, c'est exactement la même que chez Home Fun, c'est même marqué Home Fun juste ici. Donc, Diapie est bien une filiale de chez Home Fun, c'est les mêmes feuilles. Et voilà mon petit chat, donc il est trop mimi. Voilà, il est tout simple et... ouais, j'avais envie de tester. Alors, donc on va voir s'il y a le bon nombre de diamants exact. 792. 159. 762, 415, j'en ai 3. Donc les sachets, c'est les mêmes que chez Home Fun. Hein. Enfin, c'est vraiment du copier-coller. Hein. Donc 820, 823, 169. Ok. 310, j'en ai 8. 168, c'est bon. 318, 5. Ok. 414, 824, 30, 72. Donc, c'est une toile qui est assez foncée. Hein. Et très très dans les tons bleus, hein. Donc si vous aimez pas le bleu, je vous conseille pas de prendre une toile comme ça. Mais voilà, c'est une toile qui est très foncée et il y a beaucoup de teintes de bleu. 519, 38, 65, 803, 931, 928, 927, 934. Bon, bah c'est bon, j'ai tous les diamants, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau des diamants, c'est les mêmes que chez Home Fun, hein, ils sont vraiment nickel, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Hein. Vous savez, je mets toujours les liens pour les unboxings. Là, pour le calendrier de l'Avent, j'ai pas pu vous mettre tous les liens, comme par exemple hier pour le stylet lumineux. Parce que tout simplement ça n'existe plus chez le vendeur à qui je l'ai acheté. Donc voilà, mais là je pense que chez Diapie elle doit toujours exister cette fois là donc je vous mets le lien et s'il n'y a pas de lien c'est que ça n'existe plus chez le vendeur. Voilà, sur ce, bah écoutez, j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo, hein. Je suis désolée, je sais que vous m'aimez bien parce que je ne participe pas forcément aux polémiques et aux coups de gueule et tout ça. Mais là, je commençais à en avoir marre parce que depuis, depuis le mois de septembre, j'ai un ou deux commentaires qui traînent comme ça par mois. Et voilà, ça a commencé un petit peu à m'énerver. Je préfère que les gens aillent voir ailleurs plutôt qu'ils pourrissent ma chaîne et qu'il y ait une mauvaise ambiance. Moi, je veux avoir une bonne ambiance. Et donc, voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, je vous retrouve demain pour le 20. Hein. On arrive, il ne nous reste plus que 4 jours sur notre calendrier de l'Avent. Donc voilà, allez, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt. Salut !